retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Palladium. Donc aujourd'hui, vidéo très courte parce que je n'ai pas le temps de tourner. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter du quartz dans le market pour ensuite commencer à décorer notre base de fag. Voilà. Donc moi, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Bon visionnage. Donc je suis sur le Vakia dans ma petite base de fag. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'accord, ça lag. Ah d'accord, il y a des tableaux, super, parce qu'on va faire des tableaux custom avec cette petite imprimante, d'ailleurs, voilà. Avec cette petite imprimante, on peut faire des tableaux. Par contre, il y a un truc très bizarre, pourquoi ça met ça? Bref, on va regarder déjà dans le market, donc attendez, on a combien de monnaie déjà? On a 64 000 $, on va essayer d'acheter quelques stacks de quartz, hop. Donc, oula, bah, il y en a pas mal, 5000, donc on a 5000 les blocs de quartz, on peut pas les trouver un peu moins chers, s'il vous plaît. Non. Comme je n'ai pas le temps de tourner, on va juste prendre les premiers stacks de quartz, donc on va en prendre deux, je pense, un stack, deux stacks, voilà. Et comme ça, sur tout le tour où il y a l'obsidienne, on va mettre des escaliers en quartz, voilà, on va essayer de faire des espèces de cercles en escalier et en blocs. Et on mettra du coup à l'intérieur du bois, voilà, on fera des trucs sympas. Et voilà, avec ça on va faire des escaliers en quartz. Hop, voilà, comme ça on a un stack tout pile et un demi-stack de blocs. Donc je pense qu'on va essayer de commencer un premier build pour cette vidéo. Voilà, c'est comme ça qu'on devait les mettre. Et donc maintenant on va refermer avec des blocs. Hop, hop, on va faire comme ça, hop et hop. Et comme d'habitude, j'ai mal mis cet escalier. Moi, je pensais faire des espèces de hauts comme ça sur tout le tour et de remplir les catelas de bois, puis mettre des petites décos dessus, enfin, je sais pas. Voilà, je pensais faire ça, donc je pense qu'on va se crafter un petit coffre pour la base de fac. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme différentes chests? Par contre, on pense à un petit... Ouais, un petit iron chest. Donc, il faut un chest et des lingots de fer. Voilà, puis on essayera de trouver une petite harpago pour enlever les pourcents de ce coffre. Et puis, j'en fous de partout, c'est super. Hop, voilà. Donc du coup, bah, on n'a même pas de bois, tiens, c'est super, c'est super. Je vous dis, tout va bien dans cet épisode, hein. On va s'en sortir, mais... On va prendre du bois, on va prendre du coup du fer, ce que... Enfin, je vais déjà voir si on a du fer là au market, mais je ne pense pas, ou alors voilà, c'est à des prix. Des prix, mon pauvre. Alors, bon, on va pas s'embêter plus longtemps, on va... taper slash shop, on va prendre des petits minerais là-dedans. Alors, on va mettre ce chest là, on va l'entourer de fer. Et nous avons notre iron chest. Nickel, bon, on va le garder sur nous. D'ailleurs, j'ai acheté une petite épée en... Vous savez, le fer, l'espèce de fer fantôme là, qui se fait avec l'ectoplasme. J'ai acheté ça, donc elle fait 8 attaques damage. Je l'ai acheté au prix d'un pala, donc à 1000 $. Elle coûte pas super cher, mais elle fait quand même pas mal de dégâts, donc c'est super. Je vais vous montrer quelque chose dans mon under chest. Donc je m'étais fixé cet objectif un peu au début que j'ai commencé Palladium, mais je vous avais vraiment jamais parlé de celui-ci. Et du coup, si ça veut bien arrêter de laguer, voilà, j'ai un stack de lingots de Palladium. C'est excellent. Et du coup, je vais essayer de vendre mon grinder. Ça, c'est mon prochain objectif. Et bah voilà, hein. On n'a pas fait grand chose dans cette vidéo, mais comme je vous dis, j'ai pas vraiment le temps de tourner. Bah moi je vous dis quand même, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu diverti. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Allez, on essaye d'atteindre les 100 abonnés avant ce printemps, ce serait super. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.